J'ai commencé la photo il y a eu à peu près une dizaine d'années, lors de mon emménagement en Bretagne. Les paysages de Bretagne m'ont donné envie de faire de la photo. Et c'est à la naissance de ma fille, il y a 3 ans, que j'ai eu envie de refaire des photos, de garder des souvenirs de ce moment heureux. Je travaille pour la grande distribution. Alors pour le coup, ça n'a strictement rien à voir, c'est deux mondes complètement opposés, mais justement, je me nourris de la photo. Ça permet en fait de m'évader, de déstresser, d'oublier un petit peu les soucis qu'on peut avoir dans son travail. Je suis plus spécialisé dans la photo de paysage, mais la macro, en fait, ça a toujours été mon petit moment calme. En fait, c'est peut-être aussi le moyen, c'est comme un peu une ponctuation dans cette pratique qui est la photo de paysage. En tout cas, moi, ça me permet de m'enfermer dans une bulle. C'est une pratique qui est reposante et ça me permet aussi de partager cette passion de la photo avec mes enfants. Donc, mon fils est un petit peu petit encore, mais ma fille qui a 3 ans, forcément, elle s'intéresse tout de suite quand elle voit des photos de coccinelles, des photos d'abeilles, des fleurs vues de très près. Ça me permet de partager avec elle déjà la photo. Avec 8 autres amis et compagnons de photographie, on a monté un collectif de photographes en Auvergne qui s'appelle le collectif Rauvergnat. On partage via notre page Facebook, via notre site internet en fait, des photos de l'Auvergne, des paysages d'Auvergne, avec notre vision à nous. L'Auvergne est une région qui est extraordinaire de par déjà la richesse de ses paysages. On a des plaines, on a des reliefs pointus, des reliefs arrondis, enfin voilà, c'est une source d'inspiration intarissable.